Le fait de penser au comment peut pratiquement garantir l'échec. Concept numéro 137, tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors, penser au comment peut pratiquement garantir l'échec. Je vous renvoie à mes toutes premières vidéos dans lesquelles je présente la balance de l'équilibre du travail. Regardez-la, c'est la vidéo numéro 4. Numéro 4. J'avais un petit doute. Donc, la balance de l'équipe du travail. D'un côté, il y a le comment, de l'autre côté, il y a le pourquoi. Comment vous faites les choses, les stratégies, les produits que vous allez utiliser, la stratégie de marketing. Voilà, tout ça, c'est le comment. Le pourquoi, c'est la pensée. Pourquoi vous faites ça? Votre vibration, vos émotions, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et ça, c'est le plus important. On l'a vu dans cette vidéo. Bon, maintenant, si vous pensez au comment, ça peut pratiquement garantir l'échec. Bien sûr, il faut à un moment penser au comment. On est d'accord que voilà, vous avez des objectifs. Moi, je suis auteur, en plus de fondateur de mon école de développement personnel, je suis aussi auteur. Eh bien, il faut que je réfléchisse aussi à comment structurer mon livre. Ça, c'est un comment. À comment contacter une maison d'édition ou comment le mettre en forme et faire une couverture si je suis en auto-édition. Je suis un auteur hybride, donc je fais les deux. Du coup, il y a un peu de comment à penser. Le truc, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on peut pratiquement garantir votre échec si vous pensez trop au comment. Il ne faut pas trop y penser. Et le piège, c'est que quand on commence à y penser, à mettre les stratégies en place, on se retrouve tout d'un coup inondé, la tête dans le guidon depuis 6 mois, à penser que au comment. On a complètement oublié le pourquoi on fait ça, la vibration, les émotions. Et là, ça retombe. Et vous échouez. Et vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi j'ai échoué? J'ai tout bien fait, les stratégies, j'ai bien fait mon livre, j'ai bien contacté, j'ai bien communiqué. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous avez oublié la vibration. Donc, pensez au comment. Par parcimonie, faites attention avec ça. Il faut y penser, mais pensez-y très peu. 1%, rappelez-vous, 1% sur le comment, 99%, c'est votre vibration, votre pourquoi. Tous ces concepts-là que je vous explique, il faut 5 minutes pour l'apprendre. Vous voyez, hein, je vous explique en moins de 5 minutes les concepts, mais il faut toute une vie pour les maîtriser. Il y a des techniques précises pour les maîtriser plus en profondeur. Dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite rouge, plus particulièrement, vous avez déjà accès ici au basique et ensuite vous aurez accès au niveau rouge pour ceux qui se sont qualifiés, qui ont regardé toutes les bases et les bonus pour accéder au cours avancé pour approfondir vraiment ces concepts et surtout les maîtriser.